Gracias. Señora Adli. Madame la Commissaire, mes chers collègues, on avait une occasion historique d'améliorer le transport ferroviaire et on l'a manqué. Ce quatrième paquet ferroviaire, c'est la fin d'un long processus entamé il y a 25 ans par la Commission européenne. On aurait aimé avoir un vrai rail européen, un rail compétitif par rapport aux routiers et aux autres transports polluants. Car je le rappelle, le transport ferroviaire est le mode de transport le plus écologique, le moins émetteur de CO2 et de particules fines. On n'a pas fait d'autre choix que de faire progresser la part du train en Europe. Et si on veut atteindre des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, eh bien on ne s'est pas donné justement assez de moyens alors qu'on a les accords de Paris. Ce volet que nous allons voter mercredi sur le transport passager est le plus important parce qu'il va être vécu directement par les citoyens européens, dans leur expérience en tant que passagers et par les travailleurs du secteur ferroviaire qui font un saut dans l'inconnu. Et sur ce dossier, on va être jugé sur pièce. Et c'est faux de dire qu'on va pouvoir réviser ce paquet législatif s'il tourne mal. C'est faux. On est engagé pour au moins 20 ans, le temps que toutes les étapes de l'ouverture à la concurrence prévues par ce paquet se déploient. Et tout ça, les salariés européens du rail l'ont bien compris. Ils attirent notre attention parce que le législateur a mal fait son boulot et ils ont peur pour leur avenir. Qu'est-ce qui a été mal fait? La première chose, c'est que l'Union européenne a confondu libérer et libéraliser le rail. Un exemple très facile, en 2006, on a libéralisé le fret en Europe. 10 ans plus tard, le trafic a baissé de 30%. On a libéralisé sans libérer et on a obtenu l'effet inverse de celui recherché. Et donc, il faut avoir cet exemple en tête pour qu'on ouvre à la concurrence le transport passager. Les risques qui vont peser sur le transport passager sont de deux natures. Tout d'abord, le risque d'une dégradation des transports publics. Vu les réseaux de services publics qu'ils vont être ouverts à partir de 2023, que la sélection de l'exploitant va se faire par marché public. Il n'y a pas de doute que la concurrence va se faire par les prix et non sur la qualité ou le haut niveau de service. Il va falloir s'attendre à moins de sécurité à bord, moins de dessertes sur les segments moins rentables, car le texte ne donne aucune garantie sur ces aspects. La solution est pourtant simple. Il fallait imposer des cahiers des charges avec des critères européens de services publics obligatoires, les plus complets possibles, et ça a été retiré du texte. Nous ne pouvons pas voter ce texte dans ces conditions. Autre exemple inquiétant, la tarification sociale. Les auto-opérateurs ne seront pas obligés de proposer une tarification sociale. Eh bien donc, ça veut dire quoi? Plus de prix bas pour les étudiants, les chômeurs, les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. On touche au cœur même du service public et de notre système de solidarité européen. Enfin, pour les travailleurs, c'est grave ce qui est en train de se passer. Un agent ferroviaire n'a pas de garantie qu'en cas de changement d'opérateur, son emploi sur le réseau qu'il a l'habitude de servir sera préservé. On est en train de créer une profession précaire, délocalisable, avec une précarité qui reviendra à chaque passation de marché. Qu'est-ce qu'on veut montrer aux citoyens? Que l'Union européenne les protège ou qu'elle les précarise? Alors je vous le dis, le groupe des écologistes, ici, mercredi, votera contre ce texte, parce qu'il porte des principes de casse sociale et de casse du service public. Nous serons aux côtés des salariés demain qui seront devant notre Parlement européen avec l'espoir que les autres groupes politiques qui font la majorité ici reviennent à la raison et réouvrent les discussions. Je vous remercie.